vers nous pour commémorer le premier anniversaire traversé président Jovenel Moïse, jour qui était 7 juillet 2022. M'abdi nous toutes, merci. Yon gros coup de chapeau pour diaspora, comité 11 départements, comité qui nan commune yo, média yo, influence yo, qui te infatigable nan travail mobilisation yo tap mené. Kouken chaîne solidarité nou te fait ensemble avec Haïtien ki an dan peyi a, te montre a clair ki jan nou comprenn et puis kore bataille président Jovenel tap mené pour diaspora ka participer nan zafè peyil, vin investi nan peyil. Jounen 7 juillet 2022, Haïtien tout patou te montre le monde entier ki fòs nou genyen, lè nou uni nou pou fè tande vwa nou kap mande justice. Se pou tèt sa, nap kontinye uni nou pou nou batay kont la viche, la mizè, ensekirite, kidnapping, pour nous ka joignon de même yo pour Haïti ka reprenne escap figil yo criblé président Jovenel Moïse en babal parce qu'elle t'a cherché tires là pour peuple là mais faut que nous bataille pour rêve li l'idée li yo continuer bourgeonner dans que nous chaque grand haïtienne m'a remercier yon façon spéciale tout monde qui t'a fait déplacement pour aller sous habitation Madeleine pour rendre l'autre hommage à président Jovenel Moïse. Merci à Sila Yoto qui pas de déplacer mais qui voyait un petit message réconfort pour témoigner ses parties yo by famille. Nous pas camper. N'a continuellement des justice, justice, justice pour président Jovenel Moïse. Aïe bobo pour nous toutes. Fami myo, zami myo, kit ou an province ou Port-au-Prince, kou a l'étranger, quel que soit kotouye nan peyi nan le monde, an ben asire ou avec quel billet faut pas nou entre la caillou nan minute si la. Quel que soit sa ka passe nan peyi d'Haïti kou a l'étranger, an ben avec quel billet faut pas asire ou ke ou gen yon information de bonne source sans wete, sans bete. Nou se quel billet faut pas ou. Problème dans amis pam c'est que haïtien vinn tellement lâche. Haïtien vinn tellement pas moun, pas fait tête yo confiance, pas respecter tête yo, pas respecter l'histoire pays yo. Que fini par croire que Haïti ou bien haïtien pas cap faire rien de grand. Tout ça que fait faut que c'est blanc fait. Ça moun yo t'a supposé connait c'est que dans l'ordre mondial que nous gagné en doctrine Monroe, l'Amérique aux Américains sont réalité liée. Bien que nous gagné exemple exceptionnel Cuba, nous avons une tentative et Venezuela à Nicaragua, mais doctrine ça, son bagage que tout le monde respecte. Nèg pas rentré, vient faire des ordres dans Amérique là. Or la France qui s'est allié, gros allié américain, pas d'abjam rentré pour le vin, mettre à terre, on protégé des États-Unis d'Amérique. Dans toute l'histoire pays, y a pas jamais un président aussi servile, aussi reste avec, aussi sous-sous, aussi apatride que Aristide. Aristide menon politique pro-américain tout temps. Tout ça, américain mandé libay. Qui raison pour américain ta quitter la France vin déstabiliser Haïti? D'ailleurs, sécurité Jean-Bertrand Aristide, c'était américain qui t'a baillé. 9 millions de dollars américains chaque année. Dans style. Donc, qui raison pour États-Unis ta quitter au monde vin déstabiliser Aristide en Haïti? Deuxièmement, Aristide fait ça, américain t'a toujours besoin de faire. Il était commencé le Panama. Dans l'époque, ça a été logique pour écraser l'armée dans plusieurs pays, dont Haïti. Aristide écraser l'armée à Bouyo. Aristide fait, bah, États-Unis, ça, États-Unis besoin de faire tout le temps. Ajustement structurel. Privatisation, tout bagaille l'État. Dépendance totale à États-Unis. Aristide signe une série de accords, tête en bas avec blanc, bas et blanc, toute autorité sur Haïti. Livan, souveraineté pays. En 2002, ministre Affaires étrangères, Philippe Antonio, si y a un accord avec les États-Unis, côté le fait États-Unis, cadeau Haïti, souveraineté d'Haïti. Seulement, yo ba Haïti 500 000 dollars américains, aide pour la police nationale. Qui permet les États-Unis rentrer en Haïti, fait salver.
qui intérêt pour les États-Unis et Américains t'a gagné pour ta compte Jean-Bertrand Aristide. D'ailleurs, Aristide tellement quoi dans les États-Unis, le 23 février, c'est lui-même personnellement qui écrit à Américain qui m'a dit pour voir un contingent en Haïti qui pouvait camper en face de l'armée rebelle. Et c'est sous excuse ça que, ouais, que la France, Chili, États-Unis rentrent en Haïti le 28 février 2004. Bon, avec un monde comme ça, on a tout comme ça. Qui intérêt pour les États-Unis t'a gagné pour t'a quitter la France? Vin déstabiliser région là. Donc monsieur, faut que nous apprenne ça. Si je dis à haïtien trois capons pour prendre responsabilité devant un problème qui a dévasté pays, ravagé pays. Si tout le monde a tant un merci, un blanc pour venir sauver nous. Faut nous reconnaître gen moun qui comprend responsabilité yo. Et faut nous reconnaître toujours dis à la Haïti besoin petite li, un garçon, un femme vaillant qui pour prendre responsabilité il et qui vous dit c'est assez. Et pour changer pays. Il y a un Ken blanc qui te met la Aristide à terre. C'est Zach Aristide qui met la terre et c'est Haïtien qui met la terre. Blanc, ou doit, blanc français qui doit être content. Mais blanc américain pas content. Blanc américain pas d'accord. Blanc français qui doit en bas pays. Mais blanc français pas cap dit cric dans la cour États-Unis. Pas que aucun monde cap vienne ban menti. C'est là mes rebelles là qui prennent le grand nord, là avancer, mien balai tombé, c'est Mac tombé. Gonaïve là, au cap, tout côté tombé, hèche tombé. Aristide Kaponé, li couri. Mondana, bonjour. Bonjour Benson, bonjour à des auditeurs, auditrices et radio Magique Point 9. Et même penser que c'est une occasion effectivement nous gagner pour nous parler. Et tout écoutez nous y est, et qui n'a pas avancé. La perspective ça, et nous comprenons le cadre où nous sommes développés là. C'est une préoccupation dès le départ, depuis un an que je nous dis notre travail. Depuis un an et demi, quasiment, notre travail sur ça. Nous arrivons à comprendre tout ça, accord de Montana. Et en d'accord, tout ensemble de, ils savent dire là, c'est des bails qu'on a adressés et qu'on te comprenne dès lors, depuis ça, depuis janvier, février, mars, qu'on a dérapé. Nous connaissons qu'effectivement, qu'on effondrement de l'État, crise là, pas simplement crise gouvernementale qui était à l'époque, c'est une crise structurel qu'il a, et c'est deux aspects ça. Depuis l'époque panique qui préoccupait, nous avons essayé de faire nos solutions et dans le conjoncturel là, et en même temps, j'ai des bases pour nous comment résoudre cette structurel là. Donc, c'est la démarche sont question de rétablir l'ordre républicain, Jean Tabtia, rétablir au moins fonctionnement minimal trois pouvoirs d'État, et c'est la démarche que nous engager dialogue, conversation politique avec pouvoir en place là. Enfin, nous cachitons faire deux séances suivies. C'est une première que ça arrivait. Et nous pensons que l'état d'esprit là, j'en ai fonctionné, j'en ai parlé, j'en ai mené là. Nous pensons que si ça avait été comme ça et que sérénité à table, j'en ai essayé de construire là, ça va permettre qu'effectivement, nous jouions un bagage qui permet que le pays a et commencer pour un nouveau souffle et capable de prendre l'autre route et qu'à prendre l'autre direction. Donc c'est dans ça nous là. Deux rencontres nous fait déjà la semaine passée. En plus, ça permet tout aussi positif pour voir que capable de avancer qui fait. Bon, premièrement, je pense que il y a un bagage qui est clair. Et premier juin, ça a été important pour nous surtout. C'est rétablir la mi-temps nous. Il y a une façon de parler l'un à l'autre. Côté pas un chef sous table là. Si on cherche ces pays, ces situations pays qui convoquent nous là, ce n'est pas une convocation que nous recevons de quiconque, de en quelle instance pour nous faire ça. C'est une démarche que nous avons déjà. Donc d'abord, c'est permettre de rétablir sous table un équilibre de face à la situation intenable que le pays avait, question de sécurité, question de kidnapping, question d'assassinat, quelqu'un, comment dire, orienté ou bien géré. Tout ça, c'est des bagages qui interpellent nous et nous pensons que nous arrivons dans un premier temps établi et relâchons ça pour nous parler et en toute franchise, en toute vérité, et mais surtout avec un peu de respect l'un pour l'autre. Et c'est des bagages qui étaient nécessaires pour nous définir et cadre ça, augurer dans le sens pas nous, que y a une possibilité, si nous kembel, si nous maintenant, intérêt pays à qu'à sauvegarder, non pas intérêt au clan, ou équipe, ni personne, ni aucun individu. Mais c'est particulièrement comment nous avons sauvé l'intérêt pays, nous avons mis en compte tenu de lui-même pour nous sortir dans sa mienne. Donc c'est peut-être ça que nous pensons, car ça permet de faire ça. Et dans le sens ça, nous avons avancé dans le champ
qui fait que nous-mêmes, dans le monde talent, toujours, bien document paré, nous toujours bien plan, ça l'a fait à parler, parce que nous avons une discussion fait par l'interne régulièrement qui permettent que l'un bras l'an des matchs comme ça, nous pas paraître par surprise, ni que nous pas gagner comme si on bagaille qui t'a dévié nous de ça, objectif fondamental que nous gagnons, que nous croyons qui est nécessaire aujourd'hui, et nous pensons que dans le cas de ça, c'est dans ça que nous pensons que ça va permettre nous espérer que nous avons moyen pour éventuellement une conversation approfondie, qui allait, qui aboutit effectivement sur une négociation politique très sérieuse. Point fondamental sur lequel ni Montana avec 11 septembre, lorsque nous avons échangé des correspondances, que j'aime quand même mettre d'accord, c'est sur gouvernance. Et 11 septembre, lui-même dit clair dans mode de gouvernance que le VA, c'est un pouvoir avec un premier ministre, c'est ça qu'on a dit, qui a pour organiser l'élection, passer bien échanger constitution. Et Mondala lui-même, lui, ouais, y ont pouvoir avec deux têtes, un président et un premier ministre. Et c'est là toute discussion. Aïe. Est-ce que pendant deux rencontres, ça, nous avançons sur point fondamental ça? Très bien. Alors, bon, mon cas, mon bagage, parce que dans toute correspondance, tout est grand, côté de l'IV, conseil de points que pouvant en place par le cahier, il y a été maintenant, dans l'aide que t'es rebattu en correspondance, quand il a expliqué que, il pensait que question de sécurité doit aborder, doit discuter, il pensait que question électorale doit aborder, il pensait la question de la constitution doit aborder et discuter, et en même temps, question d'apaisement social, c'était 4 points, ça y est. Que pour nous-mêmes, dans le cadre objectif qu'on doit atteindre, pour résoudre des problèmes à niveau de sa énuméré, nous avons un accord de principe, un accord que nous n'avons pas de problème, que l'objectif qui visait tout à fait, nous n'avons pas de problème avec les modalités, il y a une difficulté pour l'adapter à nous-mêmes, parce que la conception de qui j'en veux faire n'a pas même à nous-mêmes. Ça, c'est une. En plus, il y a déjà ce pouvoir, il y a une jouissance du pouvoir que vous gagnez, qui mettait peut-être l'ambiance que vous n'avez pas réalisé quand dans le pays, ça pays à vivre là, extrêmement difficile, mais extrêmement compliqué, parce que c'est la vie de monde qui a passé mal, qui a détruit, et c'est fuit population après pour une sortie dans le Katumbelia. Donc, sur 4 points, ça, c'est une compréhension que le nécessaire se justifie. Mais en dehors de ça, nous-mêmes, nous avons 9 points précis que nous avons définis, que nous pensons être nécessaire par rapport à ça, pour arriver là, et c'est ça nous présenté dans le protocole pour nous faire discussion là, pendant période que nous avons fait négocier, nous avons fait le dialogue politique là. Et le protocole nous a défini les modalités qui j'ai voulu faire, côté pour le faire, j'ai voulu faire, et importance monde qui est sous tabou, comme c'est engagement, qui ça y est, identification, et qui j'en ai que nous avons un résultat qui j'en ai pour rien, qui a encore gagné. Donc nous avons fait un protocole qui est préparé, en même temps de définir un ensemble de points. Et le lendemain, il vient avec des points contraires de divergence par rapport à ce qu'on a dit. Et nous avons décidé à ce moment de former une commission de Gekakoun Ladan qui pourra gagner un grand protocole de conversation hein, et en même temps tout, et faire aux gens que tout point que énumérer eux-mêmes, le processus, le monde d'Asta, seulement y compris la question de monocéphale là, et par rapport à ça, même une compréhension par la réalité hein, et avancer que nous faisons en Montana à partir des élections du second degré de réaliser déjà dans Montana par le Conseil national de transition, mais dans nos situations que nous n'avons pas la même compréhension de démarche que nous avons fait pour nous arriver effectivement dans nos solutions à ça pays à vivre là. Donc, commission de travail, et je dis essentiellement, c'est sur Sandra Chita. Et puis ça, n'arrivez joindre dans un premier temps, en attendant que vous validez eux-mêmes, une formulation qui permette de nous dire, même point que nous allons discuter, que nous allons entendre, ne serait-ce qu'en tant que minimal dans un premier temps, pour nous approfondir plus loin, pour nous aller plus loin là-dedans. Premier point, c'est rétablir son base transition, hein, pendant la période de transition, hein, 3 pouvoirs d'État, dans l'esprit constitutionnel de 1987 là. Ça veut dire, en même temps, renforcer l'administration publique. C'est le premier point, là, bien, pour nous valider, discuter après-midi, hein. Donc, la question de monocéphale et bicéphale par et par comme tu as dit ça là, joindre une formulation concrète qui, dans l'esprit constitution, hein, l'esprit constitutionnel, etc., qui définit clairement que le pays a, c'est un gouvernement bicéphale qui vient là-dedans. Ok, sous-partie ça, est-ce que c'est Ariel qui pourrait aller à l'école pour nous mettre un premier ministre avec un président, ou bien Ariel Rété, nous mettre un président accompagné? Nous pas poser problème, nous constat en général nous-mêmes, parce que nous pas jamais nos projets. Depuis l'heure que nous commençons dans Montana, au projet de retour pour nous camper en place. Le problème, c'est toujours jouer un consensus large pour aborder des questions, hein,
vu complication gain et la soumission pays a gain par rapport à l'étranger, la question de la reprise de la souveraineté nationale et la question de veiller et l'intérêt divergent dans le pays, intérêt mafieux dans le pays, intérêt vente d'âmes, occupation des territoires par les gangs. Qui ça compte sur ça, Kababie? Monsieur Syndic. De retirer pour nous remplacer. Monsieur Syndic, qui ça compte sur ça, Kababie? Qui ça compte sur ça, Kababie? Est-ce que là, Ariel Henry, Premier ministre, déjà a un pouvoir dans Mali avec les partisans qui n'ont encore 11 septembre? Est-ce que nous avons demandé pour retirer quoi net bail et pouvoir? Ou bien c'est cohabiter ensemble avec eux? Parce que c'est à la fin de la journée, c'est ça, oui, nous avons l'autre option. Donc, moi-même, je pense que si nous faisons de conversation que nous avons avec vous, voilà, l'objet principal de est-ce que Ariel a prêté, est-ce que Ariel a pas prêté, est-ce qu'on a pris le pouvoir, est-ce qu'on a partagé le pouvoir avec lui, c'est comme si nous anticipions déjà des résultats des négociations que nous avons fait. Nous, il y a un objectif pas nous, certainement, un objectif pas nous, mais il faut nous donner un moyen d'entendre qui permet de s'acquérir, nous donner un consensus, un accord sur la manière de diriger le pays. Donc, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Oui, alors, bon, justement, tout est possible, hein, et une bagarre du Sénat qui est ouvert à toutes les opportunités qui tirent contraire à l'intérêt pays. Mais nous-mêmes nous disons qu'on rétablit l'ordre républicain, on base légale, on l'ordre légal, avec justement l'institution tablée qui n'a pas fonctionné ou commencé à fonctionner. Parce que pour la justice fonctionner. Okay. Et dans ce sens, ça faut au moins organe de contrôle la mettre en place. Et nous pensons que nécessaire que le pays a commencé par la tête. Ça nous toujours dit que les conférences nationales, internationales, font le président d'un pays. Parce qu'il s'agit, et nos discussions, sont questions pays. Toujours en absence de grands rêves communs qui collent ensemble. Mais nous-mêmes, l'approche par nous, nous ne pas c'est un individu, deux individus, ou bien un groupe de monde qui a défini rêve commun ça. Nous pensons que rêve commun fait pour le définir, là où parole en d'un pays, à côté haïtien par la tête, yo, pour être capable de définir rêve commun, ça, au parti prenant de vie, pour nous porter. Donc, la question de la conférence nationale, sont la règle nécessaire et importante, qui base une société qui a parlé en accord, et qui base une construction d'un État solidaire, et qui permet effectivement qu'à construire un pouvoir d'État. Donc, si nous demandons ça, d'abord, on se réfère à la Constitution pour une forme de gouvernance, l'esprit constitutionnel, réforme gouvernance. Et ensuite, point que nous devons discuter pour nous agréments sur eux, c'est la question de la sécurité, une réduction des assises de sécurité, la violence armée et démantèlement des gangs et le réseau d'approvisionnement, qui sont points qui sont extrêmement importants que nous discuter et que nous devons consolider. La question du dialogue national, dans parlé tout à l'heure, qui vient aborder questions constitutionnelles là, qui pour aborder questions partis politiques. Et qui vont révision système électoral dans le pays, pour être en priorité dans le cadre de la conférence nationale, dialogue national à Paléa. Et puis la question de la lutte contre la corruption et l'impunité, faut que nous donnons encore une parole qui dit comment on a brûlé, comment on a fait, comment on a traité, comment le pays a pas abordé la question ça. Et la question électorale, sous forme institution qui a géré et question électorale là, administration qui a fait là, et puis qui instance qui a capacité judiciaire pour faire la convocation du peuple en service. Monsieur Syndic, il faut que vous lancez une activité économique, et puis qui j'ai un exécutif à constituer, et après pouvoir judiciaire, à organe de contrôle qui j'ai mis en place, et puis ensuite, c'est tout en avancer vers d'autres secteurs nécessairement qui vont intégrer. Consensus avec nous, monsieur. Projet s'est dit que j'assume avec nous. Nous parlons de monter de drapeau. L'endonné, on parle pas d'explication puisque là nous avons pratiquement troisième tentative rien pour l'année 2022. Tentative de discussion entre Montana avec Ariel Henry. Décommencé en février qui échoué. En mai, décommencé Yondo qui était pratiquement pas concluant. Et là, nous entamé troisième. Nous allons regarder qui ça donne. Est-ce que la potée résultat? Pape John Bureaucratie qui peut être le nom, mais avec un bon délégué là, Dani, neuf bon côté primature, plus Ariel Henry, chef et cabinet de participé là, donne sept bon côté et Montana qui a discuté. Nous avons réduit, est-ce que nous avons réduit taille et délégation, yo? Pour qu'on soit capable d'annoncer un aspect rapide, M. Syndic? Chaque temps qu'on tâche spécifique qui vous fait, nous prenons des compétences dans chaque groupe et nous allons faire adresser les tâches qui vous fait. C'est l'expérience que nous faisons dans un premier temps pour nous faire protocole d'accord, protocole de négociation pour nous faire ça. Et point que nous avons discuté essentiellement pour nous faire un accord sur nous, c'est des mois ça nous fait. Et nous pensons à chaque fois la fête comme ça. Mais en dehors de ça, il y a toujours des relations qu'on a développées certainement.
entre moun yo qui a parlé, qui a discuté. Parce que bagaille pas pas fermé, c'est pas des blocs fermés qui comme si qui ignore que personne pas capable à personne. Donc il y a toujours bien aller venir qui fait aller théorie de groupe yo, groupe à groupe et en même temps sur qui ont les décisions de prendre en assemblée qui j'en veux prendre. Donc c'est dynamique ça qui est développé de ce point de vue là qui permet que nous parler du taille délégation yo, yo région yo et a mais simplement pour des questions spécifiques qui posaient, qui ont réponse, qui vous permettent de pouvoir accélérer le processus là, il y a une petite commission formée rapidement qui fait et qui monte, qui permet d'avancer. Okay. Merci pour toute explication à Bayo, pour aider nous comprendre. Et sous table là, dans l'accord 11 septembre, il y a M. Michel de SDP, et qui est ministre du gouvernement, c'est M. Pierre. Et coopération externe, oui, planification. Ministère de planification et coopération externe. Connu. Et Madame Bozil. Fusion. Et fusion. Et ministre PTCA, c'est fusion. Oui. Et conseil supérieur, conseil des ministres, tout c'est fusion. C'est Monsieur Richard. Alexis Richard. Ça, ça connu, la cité, ça oui, connu. Ça connu. Et gagne Monsieur Josué Pierre Louis qui c'est secrétaire général Palais National, la présidence. Ok. Il y a des gens qui ont la réalité du pouvoir entre les mains. Est-ce que premièrement Mounsayo d'accord que yo pas qu'à bail résultat, yo échoué parce que c'est ça mon avis là effondrement hein? Et incapacité pour yo assurer sécurité puis camper chute et économie à faire là et perte de contrôle du territoire que nous avons observé là. Si yo parti sous principe que yo échoué ou bien yo pas capable résultat et est-ce que premièrement yo croit que faut que yo cède pouvoir, est-ce que yo croit faut que yo composer avec Montana et d'autres entités de la société civile et ben des éclairages sur ça et pour nous comprendre si ça. Moi-même moi pense que c'est on va bail mon certificat de performance nous même personnellement dans Montana. Mais réalité est population en bail, population en bail déjà. Oui, réalité pays a montré qu'après un an, pays n'a pas gagné. Pas quelqu'un avancé fait. Il montrait tout, méthode de gestion, comme si pas on grain une personne qui t'a combattu avec les monocéphales, c'est le pouvoir réuni dans un seul monde, pas bien un grand résultat. Mais nous toujours dit que son expérience qu'il a fait avec le Païtien, sur base que l'on constitution vient pour changer, il a changé la constitution Sahara, il a opté pour un seul monde qui a peut-être l'État. Parce que blanc international toujours plus à l'aise, les que la banane a pas compris, ils connaissent qu'à parler au monde et on parle entre un monde ça, monde qui veut descendre à faire appliquer décision que le blanc. Et demain ça, c'est lui qu'on y a un moment crise politique qui gagne, lui pas qu'il passe tout n'avant encore, il pas un projet d'avenir, pas des moyens de parler comme ça avec personne dans le pays, population pas parler pour recevoir dictature, ni instance organisation dans le pays. Leur dynamique de concertation et de parler pas qu'à permettre que ça arrive. Donc, a dit, réalité a dit exactement ça qui passait pendant un an. Donc, démarche n'a pas abouti, pas de résultat là-dedans, insécurité a augmenté, pauvreté a devenu plus grave, pas qu'une réponse sont désespérées de son nom là. Oui, mais nous faisons constat. Pardonnez-moi. Il y a trois options parmi celles qui sont possibles. Soit Montana continue à être, selon certains analystes, la parfaite opposition pour M. Henry et son gouvernement inefficace. Soit Montana a la capacité de renverser ça avec les forces qu'ils ont, les forces politiques, les forces sociales. Soit lui rentrer dans une composition avec le gouvernement ça pour balancer certaines. Un nouveau souffle selon certains mondes ou bien ce consensus large réclamé par la communauté internationale. Dans trois options possibles, côté Montana, clairement, parce que mon petit Jean, on n'aime pas fin interdit, je n'aime pas fin comprendre. Côté nous, nous continuons, faisons une espèce de teke zoom, et puis nous là, et puis M. Ariel Henry a continué à siguer, nous qu'a jeté, nous qu'a rentré dans le gouvernement. Claire, avec pour me comprendre, parce que c'était mon petit Jean dit. Moi-même, je pense que pour la population claire, et sous un jeu qui vient là, Paul Claire, pour comprendre comment bagaille ça ou là, comment on monte, et qu'on pouvoir politique qui monte dans le pays, là. Depuis deux siècles, c'est comme ça a fonctionné, ou qu'on change pour aborder des questions, pour permettre que la population joigne au minimum dans un temps
pour la lui-même, il commence à prendre en charge la question politique. Donc, c'est un mouvement ça que nous y est. Nous, un mouvement, côté force porte qui bloquer l'aspiration du peuple haïtien, joindre satisfaction à Chelsea, il faut nous débloquer pour permettre d'accéder au pouvoir d'État, accéder à faire politique et changer les relations en d'un pays. Donc, le mouvement ça, nous comprenons un volume intérêt gagné. Nous comprenons la capacité de nuisance nous gagnons dans le pays. Nous comprenons la capacité de méchanceté nous gagnons. Nous comprenons tout que l'intérêt, la douane, l'argent qui est pour faire passivement. Nous comprenons ça. Tout ça, c'est des bagages qui en passe en cité que je dis à Montana arriver, construire Campéa. Nous sommes l'expression politique du moment qui est nécessaire pour le pays à changer cap, prendre l'autre route. C'est ça qui produit la concentration que nous faisons. Mais la compréhension de tout nous dit, puisque la révolution ne fait pas un examen pour affronter la structure étatique mafieuse dans le pays, il est nécessaire que nous joignions une composition du point de vue politique sur la manière d'aborder et de résoudre les problèmes. C'est pour ça. Ça fait ça, ça veut dire. Ça fait ça. Non. Expliquez-moi, Français, ça. Soit fait que je te dis là. Faut que nous jouions nos gens composés pour. Expliquez-moi. S'il vous plaît. M'apprécie dans le sens que faut que nous exactement identifier avec nous qui aiment les pouvoirs le lieu de leur échec, les moments de leur échec et leur incapacité que un groupe, quel que soit groupe individuel, que son monde, que son messie, que son père éternel, que ces deux trois mondes qui réunissent ensemble, pas de moyens aborder des questions ça, pas de moyens résoudre. Et au soit dit que le consensus là, ça a demandé. C'est pas intéressant à capter. Ça n'a jamais été le cas. Je viens suivre mon dame. Famille mieux, zami mieux, quitte ou en province ou Port-au-Prince. Cours à l'étranger, quel que soit côté dans le pays dans le monde, en ben, assurez-vous avec quel billet faux power, nous entrer la caillou dans la minute si là. Quel que soit ça qui a passé dans le pays d'Haïti, cours à l'étranger, mais avec Gagné Faux Power, assurez-vous que vous avez une information de bonne source sans mettre. Nous, c'est Gagné Faux Power.